so far away from home. In this desert of regrets, never thought that I would have to let you go. Tell me. Ça y est, je crois qu'on peut dire bonjour au printemps. Et je vous retrouve, moi, pour une balade en forêt qu'on a fait ce week-end avec Maxime et notre petite pépette. Ça nous a fait tellement, mais tellement du bien. C'était si agréable. On s'est baladé le long de la Garonne, pas très loin du confluent entre l'endroit où se rejoint l'Ariège et la Garonne. Donc c'était peut-être l'Ariège d'ailleurs, plutôt. Et ça nous a fait vraiment un bien fou. On ressent vraiment cet élan d'éclosion tout autour de nous et même à l'intérieur de nous. On a passé notre week-end comme ça dans le jardin ou dans la nature et c'était vraiment extraordinaire. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que je me sentais très stressée ces derniers temps. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apaisée, ça m'a aidée à mettre en perspective les choses, à retrouver un petit peu cette douceur de vivre, puisque j'étais plus juste enfermée dans mon bureau ou à l'intérieur de chez moi, mais il y avait vraiment cette expansion. Ah oui, par contre, il y avait de la boue partout. On est revenu avec les chaussures à nettoyer, ça c'était sûr, et notre petite puce a glissé dans une flaque de boue, c'était assez rigolo, enfin, ça nous a fait rire, ça nous a tous les trois fait rire, donc c'était sympa, mais ça, il y a un vrai, on ressent vraiment une vraie connexion, hein, comme ça, comme quoi on a besoin d'être au contact de la nature, de la forêt, du végétal. Et on ressent vraiment cet apaisement, je trouve, quand on s'immerge comme ça dans des grandes étendues. D'ailleurs, il y a une thérapie, hein, qui a été reconnue et prouvée par des scientifiques et qui prouve que passer 2 jours à se balader dans une forêt est plus efficace que de prendre des anxiolytiques. Donc, je trouve ça très intéressant. Voilà, alors après, on a pu aller tripatouiller un petit peu les coquillages, les galets, donc on a eu droit à tout. On a eu droit à l'eau, à la forêt, c'était au soleil. Et on a construit un petit peu, on a fait un petit peu de land art. Donc vous savez, c'est cet art qui est directement en lien avec ce que l'on trouve dans la nature quand on se balade. On utilise ce qu'il y a autour de nous pour faire des motifs, des petites constructions. Et ensuite, le but, c'est qu'en fait, ça s'efface naturellement avec le temps. On n'est pas l'impression d'avoir une interaction humaine. Donc, je trouve ça très chouette. Et puis, je me suis amusée à décorer un petit peu mon étagère de jeux en lui remettant des petites fleurs. Donc ici, vous avez une magnifique guirlande que j'avais trouvée à Truffaut. Et puis, j'ai construit un petit nid également avec des petits œufs, de la paille. Je me suis bien amusée. Voilà, une petite branche ici trouvée à Jardiland. Et j'avais envie, voilà, d'enlever tout ce qui était en lien avec l'hiver et puis de me plonger dans cet univers, dans ce printemps qui arrive et qui me réchauffe. Donc voilà, je me suis amusée avec ma petite étagère pour avoir ça directement à côté de moi quand je travaille. On retrouve toujours quand même des petites figurines en porcelaine ou en grès. J'ai même mis des petites fleurs dans ma tasse d'automne, pourquoi pas, dans ma tasse d'automne magique. Voilà, j'ai mis des petites fleurs en papier. Coucou, on se retrouve à mon poste de pilotage. Ça fait un petit moment que je voulais vous faire ce vlog et puis les semaines passent, c'est incroyable comme les semaines passent rapidement. D'autant plus que du coup, vous allez voir, j'ai pas chômé, j'ai fait plein de trucs et je suis vraiment très très contente de ce que j'ai fait. Si vous avez vu ma vidéo, c'était laquelle? C'était la FAQ de 2023, enfin fin 2023, sur quels sont les projets, où je réponds à vos questions aussi, et principalement celle où je réponds à vos questions sur mes projets.
Je vous ai parlé d'un petit Lenormand autour des fantômes, évidemment, et ça n'a pas loupé. Je me suis plongée dans cette création. J'avais pataugé pendant la fin de l'année pour essayer de trouver un petit peu ce qui allait émerger au niveau de mes envies. Mais c'est pas possible, hein, ces petits fantômes, ils me lâchent pas. Ils me lâchent pas du tout. Je suis tombée en amour de ces petits fantômes. Et du coup, je me suis plongée dans la création d'un Lenormand. Aujourd'hui, on est le 12 mars, j'ai fini les illustrations. Alors, c'est que la première partie, c'est la partie magique où on s'anime et on vibre dans la création. Et maintenant, il y a toute la mise en page, il y a la création du livret. J'ai vraiment très envie de vous faire un tapis de tirage avec, vous savez, le nom des maisons qu'on a dans le grand tirage du Lenormand pour faire un grand tableau. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire ça et je me dis, bah allez, ça va être l'occasion avec ces petits fantômes de vous faire ce projet-là. Alors, je vous montre quelques illustrations que vous en avez vu passer sur Instagram. Mais voilà quelques illustrations de ce projet-là. J'hésite entre deux noms. J'hésite entre le Ghostly, le Normand, et le Happy Ghost. Pourquoi Happy Ghost? Parce qu'en fait, ça m'a semblé, quand j'ai créé ces illustrations-là, il y a plein de couleurs, il est très coloré, il est vraiment dans une ambiance sympa, joyeuse. Mais j'ai peur qu'en fait le Happy Ghost ressemble trop au Little Ghost et que ça donne des quiproquos à chaque fois. Donc voilà, je sais pas trop, je pense que je vais rester sur le Ghostly. C'était ma première idée, c'était ma première envie. Donc en tout cas, voici les combien il y en a. 37 illustrations, puisque je vous ai fait une carte homme, une carte femme, mais j'ai fait aussi une carte en plus qui représente le fantôme de façon générale, donc il ou elle, peu importe, à rajouter à votre jeu. Donc j'ai fait une carte de plus. Voilà. J'ai adoré faire ce projet. Je pense que vraiment, il y a encore plein de choses à faire avec ces petits fantômes et moi je me régale avec. Je vous en montre, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Je sais que je vous renvoie un petit peu, je vous parachute d'Instagram à YouTube, de YouTube à Instagram, mais parce que j'ai pris vraiment le parti de présenter un petit peu plus mon côté illustratrice sur Instagram et puis tout ce qui était autour de YouTube, plus autour des cartes, bien que les choses évoluent. Voilà, et puis notamment avec ces vlogs. J'ai aussi travaillé sur ce projet avec Claire autour du tarot de Marseille botanique. On a commencé à travailler ensemble sur les arcanes mineures, c'est vraiment ce qui nous plaisait parce que vous savez, dans le tarot, alors je regarde si j'ai un jeu à côté de moi. Dans le tarot de Marseille, on a toutes les mineures qui sont, on va dire, semi-illustrées, c'est-à-dire qu'on a des formes de bâtons avec des plantes qui s'épanouissent autour. Et en fait, on avait vraiment envie de travailler sur ce travail avec l'espace que prend la plante, l'espace que prend les bâtons, les deniers, les coupes, les éléments en fait, qui sont constitués, qui sont représentés sur la carte. Et puis, vous l'avez vu dans ma formation, enfin pour ceux qui ont fait ma formation sur le tarot, où je prends des exemples de tarot Rider et de tarot Marseille, et on étudie vraiment les deux pour comprendre un petit peu comment ça s'articule, où est-ce que l'un rencontre l'autre, où est-ce qu'ils ont des avis divergents aussi. Et vous voyez justement qu'il y a un jeu hein, entre les éléments de la carte et les plantes qui sont autour. C'est hyper intéressant et en fait on est complètement parti là-dessus pour créer notre jeu avec Claire autour de la botanique, de la symbolique aussi des fleurs qu'elle a rapprochée à la symbolique des cartes pour vous aider d'ailleurs dans l'interprétation, on mettra des mots-clés sur les cartes aussi et moi je me régale à faire les illustrations, donc je vous en montre quelques-unes ici, le 2 d'épée. On
on a l'as de coupe qui sera représenté par la citrouille, ce petit cucurbitacé. On a à chaque fois vraiment la symbolique. Ici, on a la rose de Damas pour l'as de coupe. Et je vous montre aussi l'as de bâton avec le piment. Donc c'est super, pour l'instant on en est au 3, c'est un projet qui va avancer vraiment tout doucement, tranquillement, on en a au moins pour une année de création. Moi je me suis mis tous les lundis après-midi, je me suis fait un planning de la mort qui tue, où en fait le lundi après-midi je fais les cartes pour le tarot. Et ensuite, je me suis mis, vous voyez, j'ai utilisé le super calendrier au mois de Elodie Illustration, que j'aime beaucoup. J'adore, elle a fait toute une série. Regardez sur Little Woman. Et donc, je me suis fait, moi, tout un planning. Là, cette fois-ci, j'ai essayé de me recadrer au maximum pour être... c'est pas tant être productive, mais être organisée. Mon organisation me permet en fait d'augmenter un peu ma productivité, mais surtout de pallier à l'impression de brasser du vent, ou de rien faire, ou de pas avoir d'objectif, ce qui est assez perturbant pour moi, ce que j'aime pas. C'est pour ça que j'aime faire des listes, j'aime faire des plannings. J'ai remarqué par contre que faire des plannings, j'avais tendance à me challenger moi-même, à me dire bon bah tiens là je suis en avance sur mon planning, ouais c'est chouette. Bon, je me suis dit mais à quoi ça te sert de faire des plannings si en fait tu te challenges pour aller au-delà de tes plannings. Donc d'un certain côté ça me donne en fait une base en me disant bon bah voilà là ce que je peux faire, je sais que si je suis dans ma routine un petit peu, je pourrais atteindre cet objectif dans tant de temps. Je pourrais faire tant d'illustrations à tel moment. Mais ça me permet aussi, quand on a des projets comme ça, où on est nos seuls maîtres à bord, j'ai personne à côté de moi pour me dire « tu dois terminer telle tâche à telle heure », ça me permet d'avoir aussi des objectifs réalisables. Et de me dire bon bah je sais que ce projet là il y a 78 cartes, si j'en fais une par semaine en comptant les vacances etc, ça va m'amener à tel moment dans l'année où j'aurai réalisé cette partie de ce projet là. Donc c'est super intéressant parce que c'est vrai que de partir en même temps sur deux projets créatifs, ce que j'aime pas trop faire d'habitude, je me prends un projet, je le termine, j'en commence un autre. De partir sur deux projets créatifs, dont un comme ça, vraiment sur du long terme, ça me donne une meilleure vision de ce que je peux mettre en place tout au long de l'année, des objectifs que je me donne. Donc je trouve ça assez chouette et ça me manquait. Puis ça me donne une vision claire de mon temps, ça me donne une vision claire de là où je vais et ça me permet voilà, de m'apaiser là-dessus et de pas sans arrêt être en train de penser « Tiens, qu'est-ce que je dois faire demain, machin, tout ça ?» Non, ça c'est... J'ai les grands axes. Voilà. Maintenant, je suis en train de plus m'organiser, de retrouver une meilleure routine aussi à ce niveau-là que j'avais complètement perdu. Vous savez, je vous en avais parlé au moment du Covid, hein, mais c'était déjà en 2020, donc ça fait déjà 4 ans, où tout avait été complètement chamboulé. Alors, à savoir que mon entreprise a 10 ans. Donc, c'est important de le mentionner parce que 4 ans, ça paraît long, mais au final, c'est un petit morceau de la durée de vie de mon entreprise et de ce que je fais. Et ça me permet en fait de... Moi, j'ai vraiment perdu cette routine un petit peu que j'avais à ce moment-là, que je m'étais mis en place et qui me correspondait bien, bah parce que notre emploi du temps avait été complètement chamboulé à ce moment-là. Et moi, je n'ai pas réussi à le retrouver après parce que je me suis trop mis la pression. Et aussi, je suis tombée malade entre-temps. Donc, pendant une année, j'étais beaucoup plus en mode survie qu'en mode « ça va bien, du coup, comment je m'organise ?» C'était plutôt « qu'est-ce qui va se passer ce matin ?» pour la journée quand je me levais le matin. Donc,
Donc voilà, je vivais un petit peu au jour le jour, ce qui a été très bien et ce qui est nécessaire quand on est comme ça, plus en mode survie. Je pense qu'il y a des moments où on n'a pas le choix. On est en mode survie, il faut l'accepter parce que sinon ça devient trop une souffrance d'essayer de retrouver quelque chose qu'on avait avant, mais on n'a pas l'énergie de le faire. Et du coup, on culpabilise et ça devient un cercle vicieux. Plutôt que de se dire, ok, voilà, je vais pas bien physiquement, même pour des petites choses, hein, j'ai attrapé une grippe. Une grippe, je sais que je vais être à plat pendant 10 jours. Je sais que je vais peut-être concrètement, avoir un mois pour complètement retrouver mon énergie. C'est ok, je l'accepte et je me donne des objectifs en conséquence. Et je pense que c'est beaucoup plus sain et moins déculpabilisant aussi de penser comme ça que de vouloir coûte que coûte retrouver le comme c'était avant, alors que c'est pas comme c'était avant. Voilà. Donc, c'est ok. Moi, c'est quelque chose, j'ai mis longtemps à l'accepter. Et maintenant que j'ai retrouvé mon énergie, j'y vais petit à petit. Et m'appuyer sur des plannings, m'appuyer sur un système de faire qui me correspondait bien avant, tout en me disant garde-toi toujours de l'espace au cas où, c'est important. Ça m'a permis un petit peu de revoir tout ça. Donc c'est chouette. Bref, je vous invite à faire des plannings, ça vous aide à vous structurer, c'est vraiment cool et ça donne des objectifs et on sait qu'on va terminer telle chose à tel moment. Donc j'en suis là, j'ai terminé maintenant le petit Ghostly, je l'ai scanné aussi. Là je travaille actuellement sur la création de torchons, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de vous faire ça, ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet, tout en me disant peut-être, ou je sais pas, où on va voir. Et en fait, là, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, je travaille sur ce projet-là, à faire les planches botaniques, à vous les proposer sous format de torchons. J'avais très envie aussi de tester des housses de coussin avec la citrouille, la grosse citrouille que j'ai fait. Voilà. Pourquoi pas? Et puis surtout, j'ai travaillé sur des petits puzzles. Voilà, une collection de 5 petits puzzles. Alors cette année, ce ne sera pas un gros puzzle qui va arriver, mais 5 petits puzzles. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à les faire. Et il me tarde de vous montrer tout ça. Là, ils sont partis chez ma correctrice pour être sûre au niveau de la boîte que j'ai pas fait de faute d'orthographe. On se connaît, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. Donc là c'est entre ses mains et dès qu'elle me l'envoie, je peux l'envoyer à l'imprimeur, donc ça devrait plus tarder, ça va arriver pour le printemps et j'espère que ça va arriver pour le printemps rapidement parce que justement à l'intérieur j'ai une illustration de printemps. Voilà, mais il est possible que ça prenne un tout petit peu plus de temps, hein. On va voir, je pense que ça devrait prendre en gros 2 mois à partir du mois de maintenant, pour mai, il devrait être là pour mai. Mais bon, vous allez voir, de toute façon, c'est pas grave. J'ai fait une illustration de printemps, une illustration d'automne, d'hiver et une illustration intemporelle dedans. Donc j'ai joué la saison parce que ça fait un moment que j'avais envie de proposer ces illustrations en puzzle. Donc dès que j'ai les prototypes, je vous envoie tout ça, je vous montre tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je me suis inscrite, justement, je vous parlais d'Elodie Illustration, je me suis inscrite à son membership deux fois par an. Elle ouvre les portes de son atelier, de son membership, c'est comme ça qu'elle l'appelle. C'est un membership qui s'appelle Éclairé et où à l'intérieur elle va proposer tout un tas d'astuces justement pour gérer son temps, apprendre à mieux gérer son temps, apprendre à faire sa com, des petits tips, plein de petites tips au niveau de l'illustration et aussi de la gestion de son entreprise, etc. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça donne. On s'inscrit et c'est tous les mois en fait, donc on peut partir quand on veut et rester autant de temps qu'on veut, bien sûr. J'avais un peu peur pour moi que ce soit plus pour des personnes qui débutent, mais je vois à l'intérieur qu'elle a plusieurs niveaux. Elle en a autant pour les personnes qui débutent des cours que pour des personnes qui sont plus confirmées, qui ont déjà une entreprise, qui ont déjà
un background derrière. Donc je vais voir un petit peu tout ça, je vous ferai un retour, mais déjà de ce que j'en ai vu, en tout cas c'est super pour les personnes qui se posent des questions sur un peu la création de leur entreprise dans le milieu de l'illustration aussi, et puis à voir pour le reste. Voilà, donc ça c'est les gros trucs qui se sont passés, et c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Puis ben écoutez, je vais vous embarquer avec moi pour la réalisation d'une illustration. Séance, je voulais vous partager ma plus grande victoire de cette année, de ce début d'année, c'est d'avoir repris le sport, alors en mode tranquillou, hein. Je suis d'ailleurs un programme qui s'appelle Start Mouvement, qui a été réalisé par deux coachs sportifs et un kiné, et qui est vraiment pour la reprise du mouvement, pour les personnes qui se remettent tranquillement au sport. Alors ça fait très mamie pour moi, parce que c'est vrai que j'avais un sport quand même assez haut, si vous me suiviez il y a quelques années. Voilà, je faisais pas mal de choses, et puis j'ai dû tout arrêter au moment où j'ai été malade. Et impossible de reprendre après, enfin en tout cas j'ai voulu reprendre et sans doute trop tôt, puisque le moindre mouvement en fait me redéclenchait des douleurs au niveau du ventre, puisque forcément le moindre mouvement joue sur les abdos, voilà, quel que soit le mouvement, il y a toujours une force au niveau des abdos, et c'était horrible. Horrible, 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 au point où je me suis dit que jamais je pourrais reprendre le sport, que le moindre truc était vraiment calamiteux. Mais c'était horrible, du style j'étais vraiment malade après, et je passais généralement une nuit blanche tordue dans le lit, etc. quoi. Donc c'était vraiment pas terrible. Et j'avais hyper peur de reprendre, et en octobre de l'an dernier, je me suis foulée la cheville. Mais une bonne grosse foulure avec un bon gros crack, hein. Le truc sympathique, ça m'a obligée à aller chez le kiné. J'ai quand même attendu, hein. J'étais hyper frileuse, je voulais pas trop y aller, je me suis dit c'est bon, je vais réussir toute seule et tout ça. Donc je suis allée chez le kiné en janvier,
J'ai commencé les séances en janvier à deux fois par semaine parce que vraiment je revenais de loin. Et là, ça m'a aidé vraiment à reprendre confiance en moi. Donc elle m'a fait faire des petits exos, tout ça, au niveau de la cheville. Donc forcément, ça impactait pas mon ventre. Mais quand même, petit à petit, en fait, ça m'a redonné confiance en moi. Et je me suis dit, bon, si j'arrive à travailler la cheville, les jambes comme ça, je peux peut-être essayer de travailler quand même un petit peu le ventre. La première séance, il y a 3 semaines de ça, a été légèrement difficile, mais pas plus que ça. Donc je me suis dit, bon bah banco, c'est le signal, je peux reprendre un petit peu. Très peu de sport, moi la seule chose que je pouvais faire c'était de la marche et de la marche rapide. Je pouvais rien faire d'autre et forcément, bah en fait, j'étais complètement flagada quoi. Et puis je commençais à avoir plein d'autres douleurs ailleurs, au dos, tout ça, que j'avais pas d'habitude. Et puis j'avais pas spécialement besoin de me rajouter ça en plus. Puis j'étais confrontée à mes limites quoi. Et j'ai détesté ça. Je me suis dit voilà, je peux pas faire confiance à mon corps, je peux pas m'appuyer sur mon corps. Ça a été hyper difficile à intégrer, de perdre cette totale confiance en moi, en mon corps, en ce que je pouvais faire, en ce que je pouvais lui demander. Je trouve ça assez terrible, mais je vous en ai déjà parlé, hein, que dans la médecine, on est ce côté où on va traiter le corps, tout ça. Mais derrière, c'est dommage qu'on n'oriente pas vers des personnes qui vont aider à reprendre confiance, aider à s'adapter, faire les choses en douceur, comme hein, moi j'ai une super kiné. Même si je la voyais pas pour ça, bah à la fin, là j'ai fini par lui dire bah merci parce que moi ça m'a aidé à reprendre confiance et puis à me débloquer psychologiquement pour commencer doucement un petit programme de mamie. Voilà, oui, non, parce qu'on en est là. Hein. Mais on s'en fiche, en fait on s'en fiche, peu importe l'intensité, ce qui est vraiment primordial, c'est simplement de remettre son corps en mouvement, d'y aller progressivement, pas pour vouloir y aller trop vite, et puis ben, reprendre confiance ici, quoi, surtout. C'est dans la tête que ça se joue, en tout cas que moi, ça se jouait aussi beaucoup. Et puis arrêter de me mettre des freins en disant ben, parce que j'y suis pas arrivée il y a un an, ça veut pas dire que j'y arriverai pas là maintenant. Et la preuve en est, quoi. Donc c'est cool. Voilà, je vous partage ça parce que c'est vraiment une très très grosse victoire pour moi. Et j'espère que ça vous inspirera un petit peu. Si vous sentez bloqué dans un domaine, de peut-être vous dire que c'est pas définitif. Peut-être vous dire aussi qu'il faut y aller simplement tout en douceur. Et puis, si vraiment vous pouvez pas, peut-être plus tard ou peut-être une alternative auquel vous n'aurez pas pensé. Ou aller voir quelqu'un qui va vous expliquer aussi par où commencer. J'étais un peu perdue là-dessus, à plus savoir trop par où commencer, puisque bah, forcément, moi, j'avais un bon niveau de sport, et bah, quand j'ai voulu reprendre, j'ai sans doute voulu reprendre aussi trop fort et trop vite. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise. Je vous souhaite surtout de prendre confiance en vous.